Le tramway de Bordeaux Métropole de la ligne D étend sa toile vers Eysines avec 9 nouvelles stations et 2 parcs relais, achevant ainsi la troisième phase du réseau. Bravo, voilà. La ligne D s'étend désormais sur 9,8 km à travers les communes de Bordeaux, Le Bouscat, Bruges et Eysines, avec une offre de stationnement de 864 places sur 2 parcs relais. On se trouve au niveau du parc relais de Cantinoles, sur la commune du Haillan, et au terminus de la ligne D. La capacité de ce parc relais est de 624 places, avec des places handicapées et des places réservées aux véhicules électriques, et un abri sécurisé pour les vélos. Depuis ce parc relais, le terminus Cantinoles, il faudra une demi-heure pour aller jusqu'au Quinconce, par la ligne D, et 10 minutes de plus pour aller jusqu'à la gare Saint-Jean, sans avoir besoin de correspondance. Le stationnement est inclus dans l'abonnement TBM ou avec le Tic Card, une offre qui séduit déjà les futurs utilisateurs. Ça nous relie à tout le reste de Bordeaux Métropole et c'est magnifique. Et on est content d'avoir ça tout près de chez nous et on va pouvoir utiliser moins les voitures. En plus, pour nous, c'est écologique. Je suis à Yanné, donc le tramway indirectement arrive chez nous. En fait, ici, c'est le parc relais, mais le parc relais est indispensable à ce tramway. Pour drainer tous les médocains et autres qui viendront travailler sur Bordeaux Métropole. Là, je vais bientôt m'en servir pour aller à l'école, comme il est à côté de chez nous. J'habite Eysines, donc pour moi, c'est indispensable. La ligne D, en journée, observera une fréquence de 7 minutes 30 entre Quinconce et Hippodrome, avec un fonctionnement de 5h à minuit et jusqu'à 1h15 du matin les jeudis, vendredis et samedis.